Bonjour, je m'appelle Anna Minalin. Alors après mon bac S, je suis rentrée à l'Université de Bretagne Sud à Vannes. J'y ai passé 2 ans en licence de mathématiques, informatiques et statistiques. Et j'ai ensuite postulé en admission sur titre à Grenoble INPN CIMAI. Au lycée, j'aimais beaucoup les maths et les sciences en général. Et en fait, l'ENSIMAG a attiré mon attention dès la terminale du fait justement qu'on puisse y combiner mathématiques et informatiques dans un même cursus. Après quelques mois passés à l'ENSIMAG, ce qui me plaît réellement en première année, c'est le tronc commun qui nous permet d'appréhender de façon très large l'informatique et les mathématiques appliquées. Ça nous donne des compétences scientifiques solides, mais ça nous laisse à la fois le temps de réfléchir à nos projets professionnels pour le futur. Il y a aussi une part très importante consacrée au TP, au projet, ce qui nous permet en fait d'appliquer directement les notions vues en cours, ce qui est très gratifiant et surtout très enrichissant. Le rythme de travail est assez soutenu, mais ma formation me permet de suivre correctement dans à peu près toutes les matières. Et ce que je pense essentiel, c'est l'autonomie, qui est une compétence qu'a priori un admis sur titre a déjà acquise. L'an prochain, je prévois de m'orienter vers la filière modélisation mathématique, images et simulations. Et plus tard, je souhaiterais poursuivre mes études en thèse dans ce domaine des mathématiques appliquées et devenir enseignant-chercheur. À mon avis, pour vouloir entrer à l'ENSIMAG, il faut un certain attrait pour les nouvelles technologies, et c'est le cas de la plupart des étudiants de l'école. Maintenant, l'ENSIMAG est très loin d'être une école de geeks. La majorité des étudiants sont très ouverts et le panel des associations témoigne bien de la diversité des profils. Je pense par exemple au Bureau des Arts qui est très actif à l'ENSIMAG, qui propose des sorties à l'opéra, des concerts, des visites d'exposition, ou bien encore au Club Rock ou au Club Cinéma qui sont communs à Grenoble INP mais qui rassemblent beaucoup d'ENSIMAG. Je sais qu'il est difficile d'attirer les filles dans les métiers du numérique, pourtant le numérique est aujourd'hui totalement ubiquitaire. Par exemple, il est totalement intégré dans tous les objets et toutes les activités du quotidien, et le plus souvent sans qu'on s'en rende compte. Donc intégrer une école comme l'ENSIMAG, c'est participer à la construction du monde numérique de demain. Et je pense qu'il est essentiel que les femmes s'investissent dans cette construction, sans quoi, à terme, elles seront exclues d'une part majeure de l'évolution de la société.